Salut à toutes et salut à tous, c'est Magic Chris. Aujourd'hui, je ne suis pas en live car je suis là pour vous présenter une vidéo théorique sur les tournois KO. Il s'agit du projet KO tant attendu que Ecobass a développé. Donc, salut Eco. Salut tout le monde, salut la communauté. Oui, il est là, il est enfin sorti après plusieurs mois de rumeurs. Il est là. El famoso projet El KO. Famoso au projet KO. Donc voilà, donc moi je suis un joueur de MTT, comme vous pouvez le deviner, de 5 euros, joueur gagnant. Donc j'ai connu Chris, on a notre propre Discord des Micro Sharks, donc ça fait un moment qu'on se connaît et qu'on travaille notre poker ensemble. Donc moi, ça fait un petit moment que je travaille sur la théorie des tournois KO. Pourquoi je me suis intéressé là-dessus? Parce que je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent ce format et qui font des erreurs, en fait, par méconnaissance ou tout simplement par manque aussi d'informations sur ce format. La plupart des erreurs que font ces joueurs, il y en a deux types. Il y a tout simplement des joueurs qui vont vouloir partir coller des tapis avec des mains un peu spéculatives et qui vont coller trop loose pour choper des bounties. Et à l'inverse, il y a des joueurs qui ne font quasiment aucune adaptation par rapport à un tournoi freeze out et qui vont se dire, bon, ben, moi je joue mon jeu comme je connais. Et en général, c'est des joueurs qui vont se retrouver avec peu d'argent sur leur tête, loin dans le tournoi, enfin fréquemment en tout cas. Et donc, c'est une erreur aussi parce qu'il y a la moitié de l'argent dans un tournoi KO qui est consacré au bounty. D'accord? Donc, du coup, les paliers des prize pools réguliers sont beaucoup plus réduits par rapport à un même tournoi de même buy-in. D'accord? Donc, En je vais vous amont. annoncer. Donc, ça va être une série de deux vidéos. Hop. Ça va être une série de deux vidéos. Donc, aujourd'hui, on va faire la première vidéo. D'accord? Donc dans cette première vidéo, quels sont les principaux objectifs que je vais vous essayer de qu'on va essayer d'atteindre ensemble? Ça va être donc dans un premier temps, c'est donner une base théorique sur la conversion de bounty en jetons, d'accord? Donc je vous expliquerai par la suite à quoi ça va servir tout ça. Donc cette base théorique, elle est indispensable que je puisse vous proposer une méthode de simplification une gamme de conversion de bounty en jetons. Alors pourquoi est-ce qu'on veut convertir ces bounties en jetons? C'est tout simplement pour calculer notre cote de pot qui va être différente d'un tournoi freeze out, puisqu'on va rajouter des jetons supplémentaires à cause de notre bounty. Et ensuite, dans la deuxième vidéo, on va parler des conséquences de tout ça. Donc on va parler des adaptations pré-flop, post-flop en tournoi KO. On va essayer, en tout cas je vais vous donner... Quelque chose de nouveau, c'est estimer la valeur en jetons du bounty sur notre propre tête. Parce que cette valeur sur notre propre tête de ce bounty, on va devoir le prendre en considération quand on va être loin dans le tournoi. Ça va avoir alors une valeur aussi en jetons. D'accord? Pas seulement le bounty que l'on peut gagner directement dans notre BR, mais la valeur sur notre propre tête. D'accord? Donc ça, je vous donnerai un petit peu une méthode un peu nouvelle pour la prendre en compte. Et ensuite, on va parler du late game. Donc, en late game, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? C'est qu'il va y avoir les paliers du prize pool régulier qui vont rentrer en concurrence avec les bounties qu'on peut prendre. Et donc, on va voir quelles sont les adaptations qu'on peut faire en ces périodes, ce qu'on appelle de pression ICM, d'accord? Et ensuite, on terminera cette série de deux vidéos par quelques critiques sur le modèle actuel. Et lancer quelques pistes de réflexion sur les quelques manques qu'il peut y avoir sur cette théorie actuellement. D'accord? Très bien. Allez, on passe à la suite. Donc là, je vais vous donner le plan de la présentation de cette vidéo. Donc, dans un premier temps, on va parler des généralités sur les tournois KO. D'accord? Donc, les fonctionnements, de quel tournoi KO on va parler précisément. Ensuite, on va parler un petit peu de l'historique des modèles de conversion de bounty en jetons. Donc, on va voir qu'il y en a deux principaux. Bien sûr, on va en choisir un des deux. Hein. Et ensuite, je vais vous présenter, plutôt que d'enchaîner directement sur de la théorie, je vais vous présenter un spot KO dans lequel le but, ça va être de résoudre ce spot KO, donc c'est-à-dire estimer la range de call dans ce spot KO. Ensuite, je vais vous faire une longue partie théorie.
Donc dans cette partie théorie, on va parler de bounty départ. Et ce bounty départ, on va essayer d'estimer sa valeur en jetons, d'accord? Et pour cela, donc, on va parler aussi du prize pool bounty au cours du tournoi. On va voir comment est-ce qu'il évolue. Et ensuite, on va essayer de simplifier tout ça pour obtenir une méthode in-game, enfin une méthode d'estimation du bounty départ en jetons, d'accord? Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas encore tous les termes. Pour ceux qui sont néophytes, ils seront expliqués plus tard, d'accord? Donc là, c'est juste une présentation un peu du programme. Ensuite, on retournera sur notre spot KO. Et on essaiera de le résoudre. On va le résoudre. Ouais, ce sera un petit peu plus clair à ce moment-là, parce qu'il y a un exemple pratique. Un petit peu abstrait pour l'instant. Donc, on fera la proportionnalité entre le bounty départ et le bounty à gagner directement. On en déduira une cote du pot, d'accord, puisqu'on va rajouter cette valeur en jetons dans le pot. Ce qui nous permettra d'obtenir l'équité nécessaire qu'il faudra dans ce spot. Et bien sûr, on terminera sur un travail sur Equilab pour déterminer si notre call est-il bon et établir une range de call dans ce spot. D'accord? Et ensuite, on fera une petite conclusion, donc un petit résumé de cette méthode. Et ensuite, on parlera un petit peu des limites de cette méthode, qui sera une petite introduction à la vidéo, à la deuxième vidéo qui arrivera un peu plus tard. Voilà. Donc, de quel tournoi KO on va parler? Donc, on va parler des tournois KO les plus communs dans la plupart des rooms. C'est ce qu'on appelle des tournois KO progressifs 50%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire KO progressif 50%? Ça veut dire que quand on paye notre buy-in sur un tournoi, chaque joueur aura une quantité d'argent sur sa tête, d'accord? Et quand on va éliminer un joueur, on va prendre 50% de cette valeur en argent dans notre propre bankroll et les autres 50% iront sur notre tête et ils retourneront dans le prize pool bounty, puisque le prize pool bounty, il faut pas oublier que c'est l'ensemble de l'argent de chaque joueur qu'il a sur sa tête, d'accord? Donc en fait, en début de tournoi, ce qui retourne sur notre tête, c'est pas vraiment à nous, c'est ça retourne au prize pool bounty en fait, d'accord? Donc, petite précision aussi sur l'affichage des bounties sur la tête des joueurs selon la room où on se trouve. Donc, sur une Amax, ce qui est affiché sur chaque joueur, c'est donc tout l'argent qu'il a cumulé. Et donc, nous, quand on va buster un joueur, on va prendre que la moitié de ce qui est affiché quand on est sur Winamax. Ce qui est différent, par exemple, d'une autre room que je connais un peu, c'est PMU. Sur PMU, qui est affiché sur chaque tech de joueur, l'argent qui est sur chaque tech de joueur, c'est l'argent qu'on peut prendre directement. Donc, ce n'est pas l'entièreté du bounty, d'accord? Donc ça, c'est pourquoi je fais une petite précision, c'est qu'il ne faut pas faire d'erreur là-dessus, puisque quand on va convertir notre bounty en jeton, il faut prendre la bonne valeur, d'accord? Donc il ne faut pas se planter, surtout d'un facteur 2, c'est quand même un peu dédommageable, d'accord? Donc, quand on paye notre buy-in sur un prize pool, sur un tournoi à bounty, tournoi KO, il y a la moitié qui va dans le prize pool régulier, donc ce prize pool que vous connaissez tous, qui est le prize pool des ITM, qui va être sur des paliers que vous connaissez, hein, les paliers ensuite après ITM. Ensuite, l'autre moitié qui va aller dans le prize pool bounty, donc qui sera une somme d'argent sur chaque joueur. Et ensuite, il y aura le REC, d'accord? Donc, si on prend un petit exemple sur un buy-in 10 euros, donc quand je paye 10 euros sur Winamax, par exemple, il y a 4,5 euros qui va aller dans le prize pool régulier, 4,5 euros dans le prize pool bounty et 1 euro de REC. Et ce qui est important de noter, c'est que ce 1 euro de REC, ce n'est pas de l'argent qui est mis en jeu dans le tournoi, d'accord? Donc, il n'est pas représenté dans notre stack au niveau ICM, d'accord? Donc, on ne le prend pas en compte. C'est de l'argent qui va directement pour la room. D'accord? Allez. On enchaîne. On enchaîne. On fait un petit historique de la conversion des bounties en jetons. D'accord? Donc, je ne connais pas exactement tous les modèles qu'il y a eu. J'en connais deux. Donc, je vais vous présenter les deux que je connais. Donc, il y a eu une première approche il y a à peu près 3 ans.
C'est Bande CDC qui a présenté. Enfin, moi, je le connais par l'intermédiaire de Bande CDC, c'est peut-être pas lui qui l'a inventé. Hein. Et dans cette théorie, le bounty de départ correspond à un quart du stack de départ et n'évolue pas au cours du tournoi. D'accord? Donc, il y a encore beaucoup de joueurs qui prennent cette théorie comme. Qui utilisent cette théorie, d'accord, dans les tournois KO. Et je pense que cette théorie est maintenant dépassée. Et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Elle n'est plus valable, d'accord? Donc, maintenant, il y a à peu près un an, il y a eu une petite révolution dans le game, on va dire, quand un certain Adrien Delmas a sorti une vidéo. Pour présenter, alors peut-être pas, c'est peut-être pas lui qui a inventé cette théorie aussi, hein, c'est peut-être une collaboration, ou peut-être qu'il a eu cette information par rapport à d'autres règles, d'accord? Mais en tout cas, dans cette nouvelle théorie, le bounty de départ ne fait plus un quart du stack de départ, mais un tiers, d'accord? Et information très importante à noter, il n'est plus constant au cours du tournoi. Il va évoluer, il va augmenter jusqu'à approcher un demi du stack de départ. D'accord? Donc je vous expliquerai par la suite pourquoi on a fait tous ces changements-là. D'accord? C'était une théorie un petit peu plus précise par rapport à la première. Elle est un peu précise, elle prend en compte qui ne sont pas pris en compte dans l'ancienne théorie, on va dire. Voilà. Donc voilà, donc peut-être on mettra aussi des liens par rapport à ces deux vidéos pour que vous puissiez vous forger un avis critique si vous voulez, d'accord? Tout à fait. Donc, avant de passer à la partie théorie, je vais vous présenter le spot KO qu'on va résoudre. Donc c'est un tournoi que j'ai joué, c'est un KTF 2 € kill de fiche, bon, un des plus joués en KO. Donc on est au level 13, niveau 13. Donc on a un joueur qui est au cutoff qui push environ 16 blindes et moi je suis bouton, j'ai à peu près 42 blindes. Alors juste, t'es en big blind là. Oui, j'ai dit quoi? J'ai dit small blind? Non, t'as dit bouton, mais c'est pas Ah, grave. bouton. Non, je suis pas du tout bouton là, pardon. Je suis big blind et je clôt l'action, ce qui est important quand même dans ce spot. Et donc on peut se demander est-ce que je dois call cette main, d'accord? Donc le joueur a 2,25 sur sa tête. On va prendre, donc nous on peut prendre directement 1,125 euros. Et ce qui fait, il faut noter aussi que le stack de le bounty départ vaut 45 centimes sur ce 2 euros KTF, d'accord? Donc le but du jeu ça va être de savoir si on peut call cette main dans ce spot. Donc intuitivement, si on est dans un freeze-out, on snap fold ici. Mais dans un tournoi KO, on peut se poser la question si on doit call cette main-là dans ce spot-là. D'accord? Et donc, on va Exactement. résoudre ce spot pour cette main-là. Et ensuite, on essaiera aussi on va le faire. On va établir une range de call dans ce spot. C'est-à-dire toutes les mains qui auront l'équité nécessaire pour call. D'accord? Et avant de faire ça, il faut que je vous explique comment est-ce qu'on convertit. Un bounty en jetons, d'accord? Donc Alors, on va passer un petit peu en revue la théorie. là on va passer à la théorie, on va passer à un moment théorique, mais qui est indispensable si je veux vous expliquer les simplifications possibles, d'accord? Donc quand on parle de conversion de bounty en jetons, il nous faut un étalon, d'accord? Une valeur de référence, d'accord? Et cette valeur de référence, c'est ce qu'on appelle le bounty de départ, d'accord? Donc ce bounty de départ, on va lui attribuer une valeur en jetons, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est qu'un bounty de départ? C'est le plus petit bounty possible que l'on peut gagner dans un tournoi, d'accord? Je vais prendre un exemple. Si on est dans un tournoi KO, tournoi 10 euros KO, on a payé donc chaque joueur au départ à 4,5 euros sur sa tête. Mais ça, ce n'est pas le bounty départ. Le bounty départ, c'est ce qu'on va prendre quand on va buster un de ces joueurs-là, d'accord? Qui a 4,5 euros sur sa tête. Donc, nous, on va prendre directement 2,25 dans notre bankroll. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le bounty départ. C'est le plus petit bounty qu'on va gagner directement dans notre bankroll possible, en fait. Voilà. Donc là, je vais me baser sur ce qu'a proposé Adrien Delmas dans sa vidéo. Un petit peu remodelé à ma façon, on va dire, cette formule. Donc c'est la formule qui donne donc le bounty départ en jetons
Donc, dans cette formule, donc j'ai mis diverses, plutôt que mettre directement des phrases, j'ai mis diverses, on va dire, paramètres dedans. Donc, BD, c'est ce qu'on appelle le bounty départ, d'accord? La valeur en euros monétaire du bounty départ. PR, c'est ce qu'on appelle la partie du buy-in consacrée au price pool régulier, d'accord? Donc, c'est ce que l'on paye dans notre buy-in qui va aller dans le price pool régulier. Et PB, eh ben, c'est la partie importante de cette formule et qui est un peu plus la plus complexe, d'accord? Parce qu'elle évolue au cours du tournoi. Voilà. C'est la partie BD, PR, c'est invariable en tout cas, enfin en tout cas dans cette théorie, c'est invariable, c'est-à-dire ça ne change pas au cours du tournoi. Par contre, PB, c'est ce qu'on appelle le price pool bounty restant ramené au bounty minimum. Alors, qu'est-ce à quoi ce truc? C'est tout simplement le price pool bounty. Alors, price pool bounty, ça a une valeur bien importante. Si on prend 10 euros, ça peut valoir même 2500 euros. Et on va le 100% de ce price pool bounty, quand personne n'a busté, on va le ramener au bounty minimum, bounty de départ, d'accord? D'ailleurs, il y a une erreur. C'est marqué bounty minimum, j'aurais dû mettre bounty de départ, d'accord? Donc ça, c'est une petite erreur, mais c'est pas grave. Donc, pourquoi c'est cette partie-là qui fait la différence avec l'ancienne théorie? En fait, dans l'ancienne théorie, qui a été présentée par Band CDC, cette partie-là, c'était directement la partie du buy-in qu'on payait directement. Donc c'était 4,5 euros. Mais ici, ces 4,5 euros, ils ne sont pas directement représentés dans notre stack, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on paye 4,5 euros, c'est un droit d'entrée pour gagner de l'argent quand on buste quelqu'un. Et quand on buste quelqu'un, on ne gagne pas directement, enfin, qui a un bounty de départ, on ne gagne pas directement 4,5 euros, mais on gagne que la moitié. Donc du coup, c'est 100% du price pool bounty que l'on va leur ramener donc à 2,5 euros, 2,25 euros, d'accord? Donc ça, c'est important à noter. Et c'est pour ça qu'on obtient un tiers du stack de départ et non plus un quart, d'accord? Donc c'est pas grave si vous n'avez pas tout compris cette partie-là. Donc on va faire quelques exemples par la suite. Et ensuite, dans cette formule, bien sûr, parce que là, on a fait un rapport entre donc des euros divisés par des euros. Donc ça donne quelque chose sans unité. Et si on veut obtenir des jetons, il faut multiplier par le stack de départ, d'accord? Donc, le stack de départ, ça va dépendre dans quel room on se trouve. Si c'est sur Winamax, c'est 20 000 euros, 20 000 jetons. Et si on est sur PMU, c'est 100 000 jetons, d'accord? Donc, ça va dépendre de la room, en fait, d'accord? Oui, ça peut même être 10 000 des fois, enfin. Sur Winamax, il y a des. Par exemple, sur la zone 30, on ne démarre pas avec 20 000, je ne sais plus avec combien on démarre, bon, bref. C'est pas important. Ça va dépendre du stack de départ du tournoi, d'accord? Donc maintenant, pour bien fixer les choses, je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. On va prendre un exemple d'un tournoi KO à 10 euros. Dans un tournoi KO à 10 euros, le bounty départ, comme je vous l'ai dit, c'est 2,25 euros. La partie du buy-in consacrée au price pool régulier, c'est 4,5 euros. Et on va se prendre un exemple. Bon, j'ai pris un exemple parce que c'est ma room principale, Winamax. J'ai pris un stack de départ de 20 000 jetons, d'accord? Mais on peut prendre autre chose, c'est pas important. Je pense que ce sera plus parlant de toute façon pour la plupart des gens d'avoir 20 000. Oui, mais bon, on peut prendre n'importe quelle valeur, c'est pas ça le plus important en fait. Donc, imaginons qu'on se retrouve dans le cas d'un tout début de tournoi où personne n'a été éliminé. Donc, où il y a encore 100% du price pool bounty restant, si on applique la formule, bon, je ne vais pas détailler, hein, si vous voulez vérifier, vous ferez votre calcul vous-même, ça va donner 6666 jetons, d'accord? Soit un tiers du stack de départ, d'accord? Donc là, on retrouve la valeur que je vous avais dite précédemment. Et ensuite, si on se place maintenant plus loin dans le tournoi, on imagine qu'il reste que 50% du price pool bounty restant. À ce moment-là, si on refait le calcul, on obtient une valeur plus importante, on obtient un bounty de départ de 8 000 jetons, d'accord? Soit 40% du stack de départ, d'accord? Donc on voit que la valeur du bounty départ, plus il y a de joueurs qui sont éliminés, plus le price pool bounty restant est petit, et plus la valeur en jetons va augmenter. Donc ça, enfin, c'est assez logique, en fait. Bon, je ne vous donnerai pas la raison. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez me contacter, hein, c'est pas un problème. Mais ça semble assez logique, d'accord? Et ensuite, on va se placer dans un cas encore plus loin dans le tournoi, 10% du price pool bounty restant. Et si on effectue le calcul, si on applique la formule, on obtient 9 500 jetons, d'accord? Donc soit à peu près 48% du stack de départ. Et il existe un cas limite, de cas limite, c'est il n'y a plus du tout de price pool bounty.
Et là, on se retrouverait dans un bounty de départ qui serait proche à hauteur de 1,5 du stack de départ. D'accord? Mais c'est une valeur théorique qu'on n'atteint jamais, puisque une fois qu'il n'y a plus de price pour bounty, le tournoi est terminé, donc il n'y a plus de raison de faire les calculs. Oui, voilà, même en tête à tête, on n'est pas à 10 000 jetons. On est proche des 50% sans jamais l'atteindre du stack de départ, en fait, en termes de valeur du bounty de départ en jetons. D'accord? Donc on voit que notre bounty de départ en jetons, il évolue et il s'approche des 50% du stack de départ. D'accord? Donc maintenant, il y a une question légitime qu'on peut se poser. C'est quand on est in-game, on se retrouve à un moment donné dans le tournoi, on se dit, mais quelle valeur du bounty de départ je dois prendre en jetons? Si je me trouve, je ne sais pas, moi, au bout d'une heure de jeu, mais quelle valeur je peux prendre? Est-ce que c'est 7 000 jetons? Est-ce que c'est 8 000 jetons? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, c'est la même question que je me suis posée et je me suis donc fixé comme objectif de pouvoir répondre à cette question en étudiant comment l'argent du Prize Pool Bounty sort en fonction du nombre de joueurs qui sont éliminés, d'accord, du pourcentage de joueurs éliminés. D'accord, donc ça, j'ai pu réaliser cette étude statistique par le fait que Winamax met à disposition toutes les données de tournoi en fait, sur son site. D'accord. Et ça, c'est quand même... ça m'a permis de réaliser ça, en fait. Puisque dans un tournoi KO, on a l'information de chaque joueur, combien est-ce qu'il a gagné en termes de bounty, d'accord? Donc, en retravaillant un petit peu ces données, j'ai pu réaliser une courbe, en fait, une courbe de sortie d'argent. Donc, je vais vous présenter dès à présent. Putain, il n'y a plus la courbe. Ah, on ne voit pas la courbe, là. Putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est voilà. Pas grave, on va geler après, mais bon, du coup, on va faire deux diapos en une, on va dire, d'accord. Donc, la courbe que je veux présenter, donc vous, pour l'instant, vous ne prenez pas en compte cette ligne droite, d'accord, je vous expliquerai à quoi elle sert par la suite. Donc, la courbe que j'ai obtenue, c'est la courbe en bleu ici, d'accord. Donc, cette courbe en bleu, comment je l'ai construite, en fait. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer. Si vous avez vraiment des interrogations sur la manière dont j'ai travaillé, si vous voulez en savoir un peu plus précisément, vous pouvez me contacter soit par YouTube. Ouais, c'est simplement dire que c'est une étude statistique sur la façon dont évolue le Prize Pool Bounty au cours du tournoi. Donc vas-y, je te laisse expliquer au début. Juste préciser que s'il y avait des joueurs qui étaient un peu plus des personnes qui étaient un peu plus curieuses sur savoir comment j'ai fait cette courbe, ils pouvaient me contacter donc soit par message YouTube, soit par Discord, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder cette qui sont au courant de cette vidéo par Discord, d'accord. Donc simplement, si tu peux nous expliquer ce qu'il y a en abscisse, oui, et en ordonnée. Je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette courbe? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Donc c'est une courbe. Donc en ordonnée, donc l'axe vertical, on a donc le pourcentage du prize pool bounty restant. Donc ça va de 100 à 0%, d'accord. Et ensuite l'axe horizontal, donc qui est l'abscisse, c'est donc le pourcentage de joueurs qui sont sortis au cours du tournoi, d'accord. Donc ça nous donne en gros comment sort l'argent en fonction du nombre de joueurs sortis, d'accord. Donc on peut voir que Et ce qui est important à noter, oui, il ne faut pas que j'oublie ça, c'est le fait que, en fait, c'est une courbe qui est moyennée sur le feed. Donc, en fait, quand j'ai fait mon travail, je n'ai pas fait qu'une seule courbe, en fait. J'ai fait plusieurs courbes pour plusieurs feeds différents. Donc, des plus petits feeds aux plus gros feeds, d'accord. Donc, ça va de 100 joueurs à pas loin de 10 000 joueurs, d'accord. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que, dans un premier temps, je me suis posé la question, enfin, je ne savais pas que je pensais que cette courbe variait selon le feed, c'est-à-dire qu'elle n'était pas pareille selon un petit feed et un gros feed, en fait. Donc j'ai fait ça pour différents feeds, j'ai donc construit cette courbe-là pour ces différents feeds, et j'ai en fait tout mis toutes les courbes sur un même graphe, et ce que j'ai remarqué, c'est que quasiment toutes les courbes, elles étaient quasi superposables, en fait. Donc ça veut dire que c'est un effet statistique, au bout d'un certain nombre de joueurs, en fait, l'argent, il sort de la même manière qu'on soit à 400 joueurs ou à 9 000 joueurs, d'accord. Et donc ça, c'est quand même intéressant pour pouvoir ensuite faire des simplifications, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir sur quel feed on se trouve. Quel que soit le feed,
Cette courbe, elle est valable. Donc, du coup, pour affiner un petit peu cette courbe, j'ai moyenné toutes les données selon le fil. Donc, j'ai fait des moyennes, en fait, et j'ai obtenu cette courbe, d'accord? Donc, on peut voir que cette courbe, elle a deux parties. Une partie linéaire ou qui se comporte comme une droite, en fait. Donc, cette partie linéaire, elle correspond au fait que en début de tournoi, la plupart des joueurs qui vont sortir, ils vont sortir avec un simple bounty, un bounty départ. Donc du coup, ça va être tout le temps la même valeur qui va sortir. Donc du coup, c'est pour ça que ça évolue linéairement. Et à un moment donné du tournoi, il va y avoir de plus en plus de gros bounties, enfin, de bounties qui ne seront pas des bounties départ, qui sont les plus gros bounties qui vont sortir. Du coup, l'argent va sortir plus rapidement. Et moins il y aura de bounties départ, plus l'argent va sortir rapidement. D'accord? Donc ça semble assez logique. Donc maintenant, on va parler de la comparaison avec l'approximation linéaire, d'accord? Pourquoi je vous parle de ça? C'est que j'ai vu sur certaines plateformes de coaching françaises, donc il n'y en a pas beaucoup, hein, vous savez de qui je parle, qui pensent que, enfin, qui ne savent pas comment l'argent sort. Du coup, ils font une approximation linéaire, d'accord? Et qu'est-ce que c'est qu'une approximation linéaire? C'est considérer que l'argent qui sort et le nombre de joueurs est directement proportionnel, d'accord? Donc, par exemple, si imaginons qu'il y a 10% de joueurs sortis, ils considèrent qu'il y a 10% du principe bounty qui est sorti aussi, d'accord? Voilà, ce qui n'est pas juste, évidemment, par rapport à la réalité. Et peut-être que ce n'est pas juste, mais peut-être que c'est une bonne approximation, en fait. Pour cela, je me suis placé à un endroit où la différence entre ce que moi j'ai fait, qui est assez proche de la réalité, et cette approximation, l'écart est le plus grand, d'accord? Donc je me place par exemple à 80% de joueurs sortis. À 80% de joueurs sortis, l'approximation linéaire nous dit qu'il reste que 20% du prize pool bounty restant. Et moi, ce que j'ai étudié, en tout cas, on est proche des 50% du prize pool bounty restant, d'accord? Donc on voit que c'est une assez grosse différence. Et en termes de valeur de bounty de départ, j'ai fait les calculs, ça fait une différence de 14% d'erreur, d'accord? Donc il y a une différence de 14%. Et donc ça va être répercuté ensuite dans notre code de pot. Donc ça fait quand même des différences, des ranges de code qui vont di être différentes, d'accord? Donc on peut en conclure que cette méthode, enfin, cette approximation n'est pas assez précise. Même si quand même elle est c'est moins pire que de ne pas, on va dire, faire du tout de conversion de bounty en jeton, d'accord? Mais elle n'est pas assez précise, à mon goût en tout cas. Donc moi je me suis posé la question, quelle simplification on peut faire de cette courbe? Parce que bien sûr, quand on va se retrouver dans un cas concret, on n'a pas le temps d'aller checker la courbe, de convertir notre bounty en jeton, ensuite de mettre ça en code de pot, ainsi de suite, d'accord? Le temps qu'on fasse ça, on aura foldé, d'accord? Bon, du coup, il nous faut une simplification, d'accord? Donc, ce que je me suis dit, c'est que sur cette courbe, on va pouvoir mettre des zones, d'accord? Placer des moments stratégiques du tournoi et ensuite faire des zones, d'accord? Des zones early game, mid game, late game, ainsi de suite, d'accord? Donc, comme point stratégique dans le tournoi, j'ai placé donc le début de tournoi, hein, bien sûr. La fin de tournoi ici, la bulle item qui est un moment important et qui est un moment stratégique parce que c'est tout le temps un même pourcentage de joueurs sortis, donc du coup c'est quelque chose qu'on peut placer précisément sur cette courbe. Et ensuite je me suis dit que ça faisait pas assez de ça allait pas faire des trucs assez précis, donc du coup je me suis dit il faut que je place deux autres moments mais qui sont un peu plus difficiles à placer. Donc il y a la fin des inscriptions tardives, d'accord, qui est sur Winamax, c'est 10 niveaux, d'accord, par exemple. Et ensuite l'ATF. Donc la fin des inscriptions tardives, c'est pas tout le temps, c'est pas placé au même moment, d'accord? Alors pourquoi? Parce que ça dépend de la structure du tournoi, donc la durée des levels, le nombre de blindes de départ, ainsi de suite. Et donc ça varie de 40% de joueurs sortis à 60%. Donc 40% c'est plutôt pour des structures rapides, et 60% c'est plus pour des structures un peu plus longues, d'accord? Où il y a plus de temps pour que les joueurs bustent en fait, d'accord? Et moi, j'ai pris une valeur moyenne aux alentours de 55%, d'accord. Et ensuite, l'ATF, ça dépend d'un autre facteur. Ça ne dépend pas de la structure, ça dépend Du du field. field. Du field. Puisque, par exemple, si on se retrouve sur un field à 450 joueurs,
On aura une TF. Alors c'est, moi j'ai pris pour du 6 max, hein, d'accord. Bon, après ça, c'est donc ça dépend. Hein, ça dépend du, donc aussi du nombre de. Si c'est du 6 max ou du full ring aussi, d'accord. Si c'est du 6 max, on se retrouve à peu près à 2% de joueurs restants. Et bien sûr, plus on va augmenter le field, plus il y aura moins de pourcentage de joueurs il restera quand on sera en TF, Ouais, d'accord. Du coup. pour un 6 max où il y aurait à peu près 500 joueurs, disons, au départ. 400 joueurs. Voilà, et si on se place pour un double de joueurs que 400, ben on serait à peu près à 1% de joueurs restants, et ainsi de suite, d'accord? Et après, si on se retrouve sur un don Camante, il restera plus que très peu, moins de 0,5%, 0,2% peut-être, voilà, d'accord? Donc, une fois qu'on a placé tous ces moments stratégiques, on va pouvoir sortir, voilà, un tableau, enfin, c'est un tableau qui résume un petit peu. Donc c'est l'information la plus importante de cette vidéo, c'est ce moment. C'est à ce moment-là qu'il faut être attentif, d'accord? Donc ce tableau-là, il va donner la valeur du bounty de départ en jetons selon le moment du tournoi, d'accord? Donc si on se retrouve en début de tournoi, ça vaut, il y a 0% de joueurs sortis. La valeur du bounty de départ, c'est un tiers du stack de départ. Et moi, j'ai arrondi à peu près à 6500 jetons. Pourquoi? Parce que c'est plus simple que mettre 6666 jetons si on doit faire des calculs. Donc j'ai un petit peu arrondi, d'accord, pour faire des calculs un peu plus simples, d'accord. Ensuite, il y a la fin des inscriptions tardives ici. Donc c'est au bout de 10 niveaux sur Winamax. Alors je ne l'ai pas fait pour les autres rooms, hein. Mais en gros, quand on se retrouve au level 10, il y a à peu près 55% de joueurs sortis. Ça reste une approximation. C'est à peu près 37,5 du stack de départ et on arrondit ça à peu près à 7500 jetons, d'accord? Et quand on se retrouve entre les deux, moi j'appelle ça l'early game. Donc notre valeur du bounty départ, il va varier entre un tiers et 37,5% du stack de départ. Donc si on est sur Wina, pour un stack de départ de 20 000 jetons, ça sera donc 6500 jetons et 7500 jetons, d'accord? Donc voilà, si vous retrouvez à peu près au milieu entre le début de tournoi et le level 10, donc environ de level 5, par exemple, ben moi je prends 7000 jetons, c'est-à-dire là, pile le milieu entre 6500 et 7500, d'accord? On va dire au niveau 5, on va prendre 7000 jetons par exemple. Ah, si on est niveau 3, 4, si on est niveau 4, 5, 6, on peut prendre 7000 jetons, voilà par exemple. Ensuite, il y a la bulle ITM, d'accord? Donc la bulle ITM, c'est pour 88% de joueurs sortis, donc il y a 12% de joueurs payés. Donc à ce moment-là, la valeur du bounty départ, c'est à peu près 42,5% du stack de départ. Et si on fait un petit arrondi, ça fait 8500 jetons à peu près. D'accord? Donc c'est pratique. 6500, 7500, 8500. Voilà, c'est assez facile à retenir ça. Et quand on se retrouve entre les deux, entre la fin des inscriptions tardives et la bulle ITM, pareil, moi j'appelais ça le mid-game. Bon, j'ai appelé ça comme ça. Hein, Ouais, je crois que c'est. pour appeler ça le mid-game, oui. Voilà. Et donc, dans le mid-game, eh ben, la valeur du bounty de jetons, elle va varier entre 7500 jetons et 8500 jetons. Pareil, d'accord. Donc, si on se retrouve à peu près entre le mid-game, au milieu, entre le mid-game, enfin, entre la fin des inscriptions tardives et la bulle ITM, on peut prendre aussi une valeur proche des 8000 jetons, d'accord. Pareillement, d'accord. Ensuite, l'ATF. Donc, l'ATF, ça va dépendre du feed. Donc j'ai considéré que pour un feed d'environ 350 joueurs, on a donc une valeur d'environ 45% du stack de départ pour le bounty de départ, ce qui correspond à peu près à 9000 jetons. Pour le double, on est à peu près à 46,5, donc ça fait 9300 jetons. Et pour encore le double, ça fait à peu près 9600 jetons. Et D'accord? puis effectivement, comme tu le disais juste avant, ça va aussi dépendre du nombre de joueurs par table, entre un full ring et puis un. Je l'ai fait pour du 6 max. Si vous vous retrouvez sur du full ring, donc une TF à 9 joueurs sur Winamax, il y aura un peu plus de le prize pool bounty sera un peu plus important puisqu'il y aura plus de joueurs, d'accord? Donc il faudra un peu minimiser la valeur du bounty de départ, d'accord, en jetons. Bah, Enfin bon, bref. c'est un petit détail. Petit détail, bon. Après, je déconseille de faire les tournois bounty en full ring. Hein. Enfin, moi, perso, j'ai banni ça de mes tournois, en tout cas. Disons que c'est un petit peu moins évident de buster des joueurs. Enfin, on a moins de spots en full Les ring points de que. spot sont plus réduits quand on est en full ring. Donc c'est pour ça que moi je ne les joue pas en tout cas. Et donc entre les deux, c'est ce qu'on appelle le late game. Pareil, c'est une valeur qui varie entre 8500 jetons
et soit 9000, soit 9300, soit 9600 jetons, selon le feed dans lequel on se trouve, d'accord? Donc voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai autant insisté sur ce bounty de départ? Donc maintenant, vous savez, grâce à ça, selon le moment du tournoi où vous trouvez, quelle valeur prendre du bounty de départ, d'accord? Donc y a pas besoin d'aller voir la courbe, de faire le calcul et tout ça, d'accord? Mais j'avais besoin de vous montrer toute la théorie qui m'amène à cette conclusion-là, d'accord? C'était indispensable, d'accord? Donc maintenant, on va retourner sur notre spot KO, d'accord? Cette valeur du bounty de départ, donc nous, je rappelle qu'on se retrouvait donc à un level 13. Donc level 13, je prends à peu près un bounty de départ qui vaut environ 8000 jetons, d'accord? Puisqu'on est après les inscriptions tardives, Ce pardon. qu'on appelait le mid-game. On est en plein milieu, on est en plein milieu entre le mid-game et la bulle ITM, donc 8000 jetons à peu près, quoi. Donc maintenant, il faut faire la proportionnalité entre le bounty de départ et le bounty qu'on va gagner directement, d'accord? Donc ici, on va gagner directement 1,125 euros. Donc si je fais la proportionnalité, donc là, oui, quand on est in-game, on ne peut pas faire ce calcul-là avec la calculatrice, bien sûr. Donc il faut évaluer combien ça fait de bounty de départ, d'accord? Donc ici, ça fait à peu près 2,5 fois le bounty de départ, si on fait... Alors, il existe une astuce aussi que Chris utilise, c'est au lieu de prendre de diviser par deux le bounty sur la tête du joueur, on peut prendre directement la valeur du bounty sur le joueur, mais cette fois-ci, il faut faire la proportionnalité avec directement la valeur qu'on a au début sur notre tête. Donc Oui, parce plus que 45 centimes, 0,9 centimes, d'accord? Enfin, ça change pas la proportionnalité là Proportionnalité, donc. Donc c'est un dans peu plus simple à calculer, effectivement. cet exemple, le calcul à faire, c'est 2,25 divisé par 0,90 égale 2,5. Voilà. Donc on voit que il y a 2,5 fois le bounty départ, à peu près, quoi. D'accord? Donc du coup, on multiplie ça par 8000 jetons, puisque le bounty départ, ça vaut 8000 jetons. Donc on obtient 20 000 jetons, d'accord? Donc ces 20 000 jetons, maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc la méthode, on va dire, conventionnelle, c'est de la rajouter au pot, d'accord? Au pot commun, d'accord? Donc c'est de l'argent mort qu'on rajoute, enfin c'est des jetons morts plutôt, qu'on rajoute au milieu, d'accord? Donc notre pot ici, avant que l'on colle, il vaut 35 868 jetons. On a estimé que le bounty de ce joueur qui a tapis vaut à peu près 20 000 jetons. On fait la somme, donc ça fait 55 868 jetons. Ensuite, ma mise à rajouter ici, je dois rajouter, il shove 31 300 jetons. J'enlève bien sûr la blinde, donc 2 000 jetons. Donc j'obtiens donc une mise à rajouter de 29 300, pardon. Et ensuite, je calcule l'équité nécessaire. Donc, je fais le calcul. Donc, je fais 29 300 divisé donc par le pot total avec le bounty plus ma mise aussi. D'accord? Donc, et on obtient directement l'équité nécessaire. Ici, il me faut une équité de 34,4%. D'accord? Alors, ici, je vais faire un petit aparté pour mettre une petite mise au point. Parce qu'il y a certains joueurs, et notamment une célèbre plateforme de coaching anglaise qui s'appelle Resurage, qui utilise une autre technique pour aller plus rapidement. Alors, au lieu de rajouter cette valeur du bounty au pot, elle enlève au stack adverse. Alors, dans un premier temps, j'utilisais cette technique, mais je me suis aperçu récemment que j'obtenais pas mal de variance, on va dire, dans l'équité nécessaire. C'est-à-dire que dans certains spots, on obtenait en comparant avec cette méthode-là, qui est la méthode, on va dire, légitime, on va dire, on obtenait des équités assez proches. Mais récemment, donc j'ai étudié ça sur d'autres spots, et j'obtiens des différences d'équité au-delà de 3%, d'accord? Donc ce qui est énorme, en fait, hein, en termes de range. Et donc du coup, j'ai un peu étudié ça, et j'arrive à la conclusion que c'est... Alors ça va surprendre quelqu'un va... Quelques personnes vont crier au scandale ici, mais c'est pas grave. Je pense que ce n'est pas une bonne méthode et ce que prône Resurage n'est pas bon, d'accord? Donc j'ai résolu ça en termes d'équation et c'est pas bon, d'accord? Si on veut être sûr d'être juste dans notre code du pot, on utilise cette méthode-là et là on est sûr d'être juste. C'est sûr que c'est plus facile d'enlever au stack adverse et du coup ça nous donne une espèce de pseudo-stack théorique qu'on peut coller, puisque si... Vous utilisez Snapshove, du coup ça vous donne directement une range de call sur Shove en fait.
Mais ce n'est pas une méthode fiable pour moi, d'accord? Même si elle est sexy, on va dire, quoi. Du coup, maintenant, pour savoir si notre call est bon ou pas avec cette main, et pour estimer la range que l'on va call ici dans ce spot, on va faire un petit travail sur EQLAM, d'accord? Allons-y. Donc, là, sur EQLAB, j'ai mis ici une range de shove classique 16 blind spot cutoff, d'accord? Mais c'est-à-dire ça, c'est Nash, en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, en fait, on en parlera un peu plus longuement dans la deuxième vidéo, c'est qu'il faut faire quelques adaptations sur cette range. C'est-à-dire que la théorie nous dit qu'on doit shove plus tight en tournoi KO qu'en tournoi freeze out. Pour la simple raison qu'on a moins de fold equity du fait du bounty sur la tête. Donc, du coup, on va éliminer certaines mains, les mains, on va dire, qui ont les. On va dire, les connecteurs suités ne sont pas des mains qu'on a envie de shove en tournoi KO parce qu'on a moins de fold equity. Et on va privilégier plutôt les hauteurs, d'accord? Les hauteurs As et hauteurs Rois, d'accord? Donc, ici, je vais éliminer ces mains-là. Voilà, des mains qui auront moins d'équité si j'ai Voilà. en cas de colle adverse. Je vais garder tous les as suités. On peut éliminer aussi quelques mains comme ça. A5 off, A7 off, je pense qu'on peut le garder. Alors, je pense que Roi 8 même on pourrait le garder, parce que c'est quand même une belle hauteur. Toutes les pockets sont bonnes à shove. Et après, on peut. Alors, ça, c'est pas du tout par rapport à Terre au Chaos, mais je pense qu'on peut enlever des mains fortes comme As-As, Roi-Roi aussi. Ouais, qui seront pas chauves directement, effectivement. En théorie, qui sont pas chauds directement, même si des fois je le vois quand même, et c'est plutôt surprenant. Mais bon, dans la majorité des cas, ce ne sont des mains qui ne sont pas chauds, d'accord. Et on pourrait aussi enlever la moitié des dames, mais bon, bref, ça nous donne déjà une range à peu près correcte, je pense. 10-9 aussi, je suis pas sûr que ça chauffe. J-9 aussi. Ouais, donc ça donne une range à peu près comme ça, d'accord. Donc maintenant qu'on a à peu près estimé cette, alors c'est discutable, bien sûr. Donc notre spot de pour savoir si on colle ou pas, ça dépend de l'estimation de la range adverse. Ça, c'est très important de le dire aussi. Ça ne dépend pas que de la conversion du bounty en jeton, d'accord? Ça dépend du profil adverse Ça dépend essentiellement. de l'adverse, de ce qu'on pense de lui, s'il comprend ou pas les adversaires qu'on doit faire en tournoi KO, ainsi de suite, d'accord? S'il est plus ou moins Absolument. agressif, ou s'il est plus ou moins scared, enfin voilà, bref, ça dépend de pas mal de paramètres. Hein. Il y a des gens qui vont chauve très très tight en particulier. Enfin, c'est les profils qu'on va retrouver le plus souvent. C'est Ici, des je gens vais qui mettre. sont. Déjà, on va mettre notre propre main, d'accord, Roi 6 suité, et on va voir si on a l'équité nécessaire. Donc, je rappelle que l'équité nécessaire, c'était 34,4%, d'accord. Donc, si on obtient quelque chose au-dessus, ça sera bon, d'accord. Donc, ici, on voit qu'on est large, d'accord. On est à 40% d'équité face à sa range, d'accord. Donc, ici, en termes de play de poker, c'est ce qu'on appelle un snap call, ici, d'accord. Ça peut surprendre certains joueurs qui ne sont pas habitués, C'est un mais col EV+. Roi 6 suité, c'est un snap call ici en vrai, si on connaît bien la théorie, d'accord. Maintenant, on va essayer d'estimer un peu quels sont les bonnes ranges ici, ici, d'accord. Donc, je vais commencer par les mains off, d'accord. Là, je vais ouvrir voilà, un petit truc à côté pour mettre la range de call ici. Donc, bien sûr, As de off, c'est OBV qu'on doit y aller, d'accord. Donc, As de off, donc tous les A6, alors toutes les pockets aussi, hein, je ne l'ai pas fait, mais bon, paire de deux, on peut le faire aussi. C'est bon aussi, hein. Large. Donc, 2 de plus. A6, tous les A6. Roi de off, est-ce que c'est bon? Je pense pas quand même, mais on ne sait jamais. 34-01, donc Roi de off, c'est pas bon, il faut être à 34-4, d'accord. Roi 3. Alors là aussi, on peut se poser la question, est-ce que Roi 3 off, est-ce qu'on va gagner assez d'argent pour pouvoir call? Ça, c'est vraiment marginal. Vous voyez que l'écart d'équité est de 0,2%. Alors en théorie, il faudrait utiliser le logiciel ICMizer qui nous dirait qu'il faudrait avoir levé de 10% des As, d'accord? C'est ça. Et donc là, je pense qu'on l'a pas. Enfin, faudrait le faire, mais je pense du coup que les bad range, on peut les virer, quoi, en fait, les bad range de call. D'autant plus qu'on n'a pas parlé d'un facteur aussi qui est la conservation de stack. C'est-à-dire que, quand même, dans notre spot, on a 42 blindes. Le mec qui chauffe 16 blindes, c'est quand même un tiers de notre stack et on peut pas call aussi loose qu'on voudrait, en fait, pour la conservation de stack. Ça nous fait changer de bloc, en fait. Ici, Roi 4 off.
On voit que l'équité est bien meilleure. On a 1,5, à peu près 1%. Là, je pense que c'est bon, là. Je pense que c'est gardable, Roi 4 off. Roi 4 off, même. Bon, c'est pas obligé d'y aller avec Roi 4 off, mais Roi 5 off et tout ça, je pense que ça doit être bon. Donc voilà, donc maintenant, ici, Dame. Alors, je vais faire Dame 7 off, par exemple. C'est limite. Ouais, trop Pareil. limite, hein. Je pense que trop Je pense limite que là ça va pour être même colle. plus prendre au fond parce que là, du coup, ça peut faire des quintes. Et donc, voilà. Là, on est Donc plus là, large. Dame 8 off ici. Pareil, là, je vais mettre J9 off, par exemple. J8 off, je sais pas. Ouais, voilà. Donc là, je pense qu'on peut aller avec, pareil, avec Valet 9, du coup, Valet 9 off. Voilà. Hop. Dame. T'as oublié de mettre plus à chaque fois sur Ah. Roi 4 plus. T'as raison. Soyons précis. Là, à chaque fois, on parle des bad range, donc. Ça, c'est pas de range et on doit call plus haut. C'est-à-dire, par exemple, chez Dame 8 off, hein, ben on peut call Dame 9, Dame 10, Dame Valet. Voilà. Là, je voulais faire Dame 9 off. On est bon aussi, d'accord? Donc là, je ne mets pas de plus parce qu'on ne peut pas aller plus haut que 10-9 off, de toute façon, pour les 10x, d'accord? 9 et 8 off, on peut regarder. C'est bon aussi. Oui, on doit coller beaucoup, hein, c'est énorme. C'est des bas de range, hein, donc faut faire gaffe aussi. Mais bon, quand même, on a quand même l'équité et l'écart d'équité est quand même assez. Ce qui est intéressant avec des mains comme des connecteurs ou suité ou non suité, c'est que souvent, on a deux cartes vivantes, c'est ça qui est intéressant, je pense. Et je pense que c'est mieux que de call des rois 2, rois 4 même, ou c'est de call des mains comme ça qui ont deux cartes vivantes. Et ça, c'est intéressant. Ouais, On ben peut avoir. on voit d'ailleurs que l'équité de 8 et 9 est meilleure que Roi 4. C'est ça qui est intéressant. De pas avoir d'avoir deux cartes vivantes en main, quoi. 8 et 7 off, je pense pas quand même. Là, ça devient un peu loose là quand même. Ben, je pense que ça doit rentrer. On y est encore bon, hein. 7 et 6. On va descendre, hein, les mecs. 7 et 6 off. C'est bon, hein. Ouais. C'est fou que ce qu'on doit call. C'est même pas suité. Hein. 6 et 5 off. On descend. Hein. Ça devient marginal, je pense, là. Les Voilà. carrés. Ouais, 6 et 5, je pense qu'on peut le retirer. On est Donc là, maintenant. trop proche de l'équité, vraiment, EV0. Donc là, je pense que toutes les mains, même Roi 2 suité, je pense qu'on est good. Hein. Alors, regarde, on vérifie, mais bon. Puisqu'on a vu qu'avec Roi 6, on était bon, bah, tous les Rois suités, on est bon. Roi XS. Allez, toutes les dames suitées, peut-être. Ce serait pas étonnant. Oui. Dame XS. Tous les valets suités, voilà, peut-être pas quand même. Peut-être pas valet 2, mais du coup un petit peu Non. au-dessus, probablement. Et valet 3. Ah, c'est un peu marginal, je dirais valet 4 suité, on va dire. Voilà. Plus. Et ensuite. Ten 7, ten 6 suité. Ouais, on est large. Ten 5, peut-être pas quand même. Ouais, ten Ouais. 6, on va prendre. Alors on va garder 10 et... La grosse différence entre 10 et 5 et 10 et 6, c'est que voilà, on fait pas de quinte avec 10 et 5, enfin on fait que des quintes à une carte. A fait 5 suité. Oui. Plus. Bon, ainsi de suite, c'est assez long, hein, je suis désolé, mais Ouais. 8 et 4 suité. Oui, c'est bon. Alors, on doit coller, hein, les amis. 7 et 4 suité.
On est bon. C'est même encore mieux que 8 et 8 et 4. Parce que c'est des cartes qui sont plus proches. C'est un 2 gapper. Si c'est 3 suité, on est bon. Je dispense pas alors hein, si c'est 2 suité, mais bon, là déjà ça donne une bonne range à call, quoi. Voilà, 5 et 3 suité. Là, on doit call. C'est insane ce qu'on doit call en termes de connecteur, quoi. Ouais. Même 5 et 2, je pense que. Ouais, peut-être pas. Non, non, 5 et 3. Voilà, puis là, je pense qu'on peut s'arrêter là et Bah essayer voilà, d'un ça me petit donne peu déjà de. une range qui est monstrueuse, quoi. Alors, en termes de pourcentage de main de départ, ça fait déjà une belle range, quoi. Ouais, bah on peut peut-être rentrer ça dans les QLab pour rendre compte un petit peu de. Là, on doit call toutes les pockets, tous les ASICs. Tu peux pas faire un copier-coller là de ton petit bloc-notes? Bah, on va le faire rapidement là. Hop. Voilà. Roi 4 off. Dame 8 off. Valet J9. 9. Ten 9, 9 et 8, 8 et 7, 7 et 6. Qu'une, toutes les rois suités, dames suitées, J4 suité, 9 et 5 suité, Ten 6 suité, 9 et 5 suité, 8 et 4 suité, 6 et 3 suité, 7 et 4 suité. Si c'est 3 suité, 5 et 3 suité, voilà, ça Peut-être fait. que le 3 et 4 aussi serait à mettre Ouais, dedans, je du pense coup. que 3 et 4 doivent être bons aussi. Ouais. Bah, ça vous fait une range, vous décolle 50, plus de 50% des mains de départ dans ce spot. C'est insane. Voilà, donc par rapport à ce qu'on disait, on a une fold equity qui est extrêmement réduite en tournoi KO. Et du coup, pour celui qui push, on a envie de push des mains qui sont assez hautes. Donc des rois X, des voilà, As-6, rois X, plutôt que des connecteurs qui auront une moins bonne équité face à la range de call Surtout qui que nous, on sera. doit coller énormément de mains. C'est des mains qui vont Voilà. être dominées, en fait. Donc, on n'a Voilà, pas envie de ça, quoi. face à la range de call, on a envie quand même d'être plus strong, quoi. Voilà. Allez, on reprend notre diapo et on va terminer ça. Allez. Espérons Bon. qu'il n'y ait pas de problème. C'est bon. On a déjà eu notre lot de problèmes dans cette vidéo. Ça va aller. Donc, bah, ce qu'il faut retenir de cette méthode, donc un petit peu le résumé. Alors, pour savoir si on peut call un tapis dans un spot KO, premièrement, il faut estimer la valeur en jetons du bounty départ selon le moment du tournoi. Donc, pour cela, je vous ai fourni le tableau, d'accord? Donc, c'est gratuit, c'est moi, c'est pour vous. Donc, voilà, avec ce tableau-là, vous savez qu'à tel moment de tournoi, c'est telle valeur du bounty départ, d'accord? Ensuite, on effectue la proportionnalité entre le bounty départ et le bounty à gagner directement. Donc, on évalue à peu près combien de fois la valeur du bounty à gagner directement vaut en termes de nombre de bounty de départ, d'accord? Et ensuite, on multiplie par la valeur en jetons de ce bounty de départ, d'accord? Et donc, cette valeur en jetons, ensuite, on va la rajouter au pot. Et ensuite, on va essayer. Bon, bien sûr, il ne faut pas être une quiche en calcul mental, hein, donc il faut s'exercer un peu. Il faut calculer l'équité nécessaire pour call, donc si c'est 30%, si c'est 35, 36, 37, 38, ainsi de suite. Et ensuite, on doit estimer avec notre main si on a l'équité suffisante face à la range adverse, d'accord? Voilà, puis c'est des choses qui vont rentrer petit à petit Et à force de. il faut pas voir ça comme une montagne à franchir, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir faire ça in-game, il faut déjà le pratiquer en review, se faire des automatismes, en fait, ce que Voilà, disait Max. travailler un petit peu avec Equilab, rentrer les ranges, etc. Puis s'habituer petit à petit avec l'expérience, on finit par savoir ce qu'on doit call dans un spot précis, quoi. Voilà.
Donc voilà, donc c'est un peu le résumé de ce que vous devez, la méthode que vous devez suivre pour savoir si vous devez coller ou pas un tapis. Donc là, on avait pris un spot particulier où c'est un tapis, où c'est un snap d'open shove, d'accord? Mais il existe d'autres spots. J'ai pris un spot simple, hein, d'accord? Il y a des spots de restyle, il y a des spots où nous en open shove et tout ça. Donc ça, c'est un peu Ah, différent. puis il y a aussi des paramètres un peu impondérables, c'est-à-dire estimer la range adverse de Oui, voilà. Et estimer il y la a des range de spots aussi l'adversaire. où on ne clôt pas l'action. Donc là, il faut être un peu plus tight aussi. C'est-à-dire qu'il reste des joueurs derrière. Donc on ne peut pas jouer comme si Si on on reprend clôt l'action, le quoi. même spot, mais qu'on est en small blind ou au bouton, ça va changer notre range forcément de pour Voilà. call. Allez, conclusion. Donc c'est quand même une méthode assez pratique pour les spots KO, à laquelle il faut quand même émettre quelques bémols, d'accord? Dans cette théorie, il y a non prise en compte de la théorie des blocs. Donc là, en plus, je vous l'ai dit dans ce spot, c'est quand même un tiers de notre stack ici qu'on est dans ce spot précis. Donc dès que ça impacte, ça nous fait changer de bloc, on doit restreindre notre range de call, d'accord? Parce que il y a aussi la conservation de notre stack qui rentre en jeu, d'accord? Il y a une autre chose qui n'est pas prise en compte, c'est les moments où il y aura de la pression ICM au niveau du prize pool régulier, d'accord? Donc ça va rentrer en jeu quand on sera en late game, d'accord? Et donc là aussi, selon la pression ICM, si la pression ICM est faible juste après la bulle, on s'en fout, on va privilégier les spots KO, on va call toute notre range, si ça n'impacte pas notre bloc, bien sûr. On va s'intéresser que à lever du coup direct. Voilà. Et par contre, dès qu'on va rentrer dans des moments où il y aura une pression ICM plus importante, donc en général à partir des demi-finales, où il va y avoir une concurrence entre le prize pool régulier et les bounties à gagner, et on va restreindre notre range aussi, d'accord? Donc ça, on en parlera plus précisément dans la prochaine vidéo. Ensuite, il y a aussi un autre facteur qu'on va avoir cette fois-ci en very late game, c'est la prise en compte de notre propre bounty sur notre tête, puisque il ne faut pas oublier que quand on va être en very late game, il y a une probabilité non nulle et un peu plus importante Non de gagner, négligeable en tout cas. non négligeable, j'ai envie de dire, oui, effectivement, de gagner le tournoi. Et donc de gagner le bounty qu'on aura à ce moment-là sur notre tête, d'accord? Donc là, donc ça veut dire que le bounty sur notre propre tête a aussi une valeur en jetons quand on est très avancé dans un tournoi, d'accord? Et ça, on va en parler aussi un peu plus précisément dans la deuxième vidéo, d'accord? Et aussi, là je vais citer un petit peu Delmas, c'est la non prise en compte des divers scénarios possibles par rapport au stack de la table. C'est-à-dire que quand on prend un spot KO, il faut prendre en compte les divers scénarios. Si je bust, du coup, je vais plus couvrir telle personne, telle personne, telle personne. Si je gagne le coup, ça va me permettre de bust, ça va me permettre de couvrir plus de personnes. Du coup, on essaie de faire un petit peu. Quand on a un spot close, on essaie de voir si c'est plus avantageux de call ou de fold. C'est-à-dire d'avoir des cas Si... où ce sera plus avantageux de call parce qu'on va du coup on va couvrir beaucoup plus de personnes dans le coup sur la table. Et Si... il y aura des spots où on doit fold parce qu'en fait le fait de prendre ce spot-là va pas nous permettre de couvrir plus de personnes finalement, pas beaucoup plus. Par contre, on va être couvert par beaucoup plus de personnes, d'accord? Ouais, si on veut prendre un cas concret, par exemple, on va dire qu'il y a quelqu'un nous couvre et part à tapis contre nous, alors on va avoir tendance à folder plus ou moins de mains selon la situation. Par exemple, s'il y a un joueur qui n'a plus qu'une blinde à la table ou deux blindes, on va coller très tight hein, quelqu'un qui nous couvre dans une situation comme ça, de manière à ce que sur la main d'après, on puisse encore être dans le tournoi et puis être toujours éligible aux bounties qui sont restants. Voilà, surtout que si on a des très shorts qui ont un très gros bounty, en général, on essaie de garder son stack pour ce KO-là. Enfin, ça dépend du monde tournant, mais. C'est un peu ça l'idée, ouais. Ben, voilà. Ben, allez, salut tout le monde. Voilà, Donc, donc on a terminé là. voilà, je donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En espérant qu'on se sera amélioré entre-temps, un peu plus clair aussi, je ne sais pas, on verra. Et donc, ben, n'hésitez pas si vous avez des réactions diverses et variées, ben, vous pouvez me les donner à Chris ou à moi, donc sur YouTube, sur Discord,
si vous n'avez pas compris des trucs, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été présenté aussi, ça ne me pose pas de problème. Donc voilà. Ok, Allez, ok. je te laisse conclure, Chris. Bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Bah comme disait Echo, je vous laisse réagir en bas de la vidéo dans les commentaires si vous avez des choses à nous dire. Et puis on se retrouve très bientôt. Voilà. Allez, au revoir. Ciao, ciao.